mes études dans un lycée professionnel. Voilà, je fais une formation construction, un BEP, et puis après un bac pro. Et puis suite à mes stages, j'étais embauché, puis depuis je suis dans l'entreprise. Dans chaque coffrage ou chaque truc, c'est tout le temps différent. Il faut toujours s'adapter, une autre façon de mise en œuvre, surtout sur des chantiers comme ça, qui sont des gros chantiers déjà. J'aimerais passer chef de chantier. C'est ma finalité, quoi. Moi, j'ai fait les études à peu près en conséquent, et puis bon, maintenant, je vois sur le terrain. Parce que moi, j'estime que pour être responsable, il faut être d'abord être passé ouvrier. Autrement, on peut pas se mettre à la place des bonhommes qui travaillent ici. J'étais coffreur-bancheur, un peu de maçonnerie, et puis j'ai grimpé comme ça au fil des ans, quoi. On tombe amoureux de ce métier-là. C'est-à-dire que si on est là, on arrive à rester une paire d'années, après je vais dire que c'est bon, quoi. Hein, il faut persévérer au début, au démarrage, et puis après on s'aperçoit que c'est un très beau métier, quoi. Et puis l'avantage aussi dans ce métier-là, c'est que les machines ne sont pas prêtes de remplacer les mains de l'homme, si je peux. Donc on a encore du temps devant nous et beaucoup de travail, quoi. Il n'y a pas mieux que ça. Toujours à l'air, toujours à l'extérieur. Toujours quand il fait chaud, quand il fait mauvais, pareil. C'est une envie qui est tombée, comment on dit. Parce que moi, je le considère comme un art. Quand on passe un de ces quatre, avec son fils ou quoi que ce soit, tu dis ouais, ce pont-là, je l'ai fait, j'ai travaillé dedans, et puis voilà. Quand on voit quelque chose de concret, c'est magnifique, c'est beau.